like sunshine. I'm from Barbados. Okay, I understand. Barbados will always be home. They're very, very supportive. They're my backbone. It's where I started, and I couldn't ask for a better place to grow up. Barbados, I love you. We got. Étudiant en journalisme à l'ISFSC, j'ai deux passions dans la vie, le monde de l'audiovisuel et la chanteuse Rihanna. Il y a deux ans, j'ai donc décidé de me rendre là-bas où elle habitait, en Barbade, une des plus petites îles du monde, pour réaliser un documentaire. Un documentaire pas comme les autres, puisqu'il a été réalisé de A à Z par la même personne, de l'idée de départ jusqu'à la dernière minute de montage. J'ai décidé de tout prendre en charge. Aujourd'hui, je n'ai aucun but financier avec ce documentaire. Mon seul objectif est de vous faire découvrir la chanteuse à travers un regard nouveau, celui de sa jeunesse, et de pourquoi pas provoquer quelques émotions aux nombreux fans présents sur Internet. Pour me contacter, une seule adresse, celle-ci. Je serai heureux de pouvoir vous lire, peu importe le message. Je vous souhaite un agréable moment et surtout, préparez-vous à ne plus jamais voir Rihanna de la même manière. Barbade sur les traces de Robin Rihanna Fenty, c'est maintenant. Désormais, l'aventure vers la Barbade commençait, et chaque minute qui passait me rapprochait un peu plus de la jeunesse de Rihanna. Je partais avec la ferme intention de répondre à une question. Comment Rihanna avait-elle grandi en Barbade? Cette question allait nous suivre pendant tout le documentaire, mais comment les habitants de l'île allaient-ils accepter la question?
après plus de 10 heures de vol que la Barbade allait se dévoiler. La Barbade, l'un des plus petits pays du monde, avec seulement 431 km². Soit 71 fois plus petit que la Belgique, 1500 fois la France, ou encore 22 000 fois les États-Unis. La première chose que nous allions découvrir de la Barbade, c'était son unique aéroport, le Grantley Adam. Et cet aéroport, elle le connaissait très bien. Et pour en savoir plus sur la chanteuse, il fallait se rendre à Bridgetown, la capitale de la Barbade. Cette capitale ne se trouvait qu'à quelques kilomètres de l'aéroport. Et c'est en se rendant là-bas que nous allions enfin découvrir où Rihanna avait réellement grandi. I've always known. Since I was a young boy, in this world, everything's as good as bad. Now my father told me always speak a true word, and I have to say that is the best advice I've had. Because something burns inside of me, it's everything I long to be, and lies they only stop me from feeling free. Some may praise you just to get what they want. And I said, Mama, I am not afraid. They will take what they will take. And what would life be like without a few mistakes? Yay! Like a whole. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la majeure partie de la vie de Rihanna tournait autour de la place de Bridgetown, qu'on appelait Independence Square. Vous allez voir durant le documentaire que les endroits en lien avec la chanteuse ne s'éloignaient jamais de cette place.